Salut à tous les animévores, j'espère que vous allez bien. Et oui, on revient de temps en temps, par parcimonie, hein, avec des petites émissions de Bacast. Et salut Romain. Salut, bonjour à tous, bienvenue dans Bacast. En fait, la grande énigme de chaque Bacast, c'est avec qui je vais faire. En fait, j'ai toujours l'impression qu'en fait, quand c'est moi, ça veut dire oulala, il y a un problème avec le présentateur. Non, c'est pas vrai. Et rappelle-toi, on avait fait une super émission sur Kaguya, super longue. Oui, c'est vrai. On avait fait quelque chose. Toi, je t'avais permis de venir t'exprimer sur un grand film qui était Kaguya. Et donc là, on va vous parler, pour une fois, et ça fait extrêmement plaisir, d'animation française, adaptée de manga français surtout. Mmh. Donc on va vous parler de Last Man. Manga, donc, par Balak. Alors, purée, désolé. Balak sans la ville. Sans la ville et Vives. Du coup, qui avait. C'était un carton, hein, un gros phénomène français. Oui, ça a bien marché. Hein. Et c'était vraiment en mode manga, c'est-à-dire que c'est. C'est vraiment dessiné comme un manga. C'est un manga en fait, ça reprend le style, etc. Ça reprend le style avec un design, on va dire, entre le style japonais dans les mouvements et un côté très européen effectivement dans les dessins qui peut-être assez impressionner. Mais ce que j'aime, c'est que c'est en noir et blanc, c'est une trentaine de pages, beaucoup plus que une BD franco-belge, quoi. Mais un style très très particulier, c'est-à-dire que moi par exemple au début j'avais vraiment du mal à accrocher à ce style, mais en fait j'ai vu dans la simplicité de ses traits et ses trames assez prononcées numériques, j'ai vu finalement une sorte de mise en avant du mouvement. Et c'est vraiment ce que j'ai aimé dans le manga. Ah, c'est un manga de baston, je crois. De baston avec, ouais. Avec de la magie. Enfin voilà, c'est vraiment. C'est un shonen, quoi, en fait. C'est typiquement du shonen. J'ai l'impression que c'est des Français qui ont voulu faire un shonen. Shonen Seinen. Parce que, oui, en fait, on ne suit pas qu'un petit jeune avec sa maman, on suit surtout. Alors, c'est quoi l'histoire? Richard Adala. On va parler de l'anime, du coup. Oui, bien sûr, on parle de l'anime. Qui est pas diffusé sur France 4. France 4. Ils ont sorti 6 épisodes. Donc là, on est au lendemain des 6 épisodes qu'on a vus. On est tout fou. Parce qu'on est très content d'avoir vu ces épisodes, très content d'avoir vu en VF un animé. On peut dire, voilà, on a vu en VF, version originale, un animé. Ça fait plaisir. J'avais vu qu'ils avaient même fait un Kickstarter au début pour lancer le projet d'animation. Donc ça, ils reviennent de loin jusqu'à trouver un diffuseur qui accepte de passer le film, de passer la série, je crois, c'est vers 23h. C'est surtout pas une chaîne câblée. On est sur France Télé, hein. Faut pas oublier. Hein. France 4. Service public. Et c'est feuilletonné, chose que vous ne voyez plus jamais maintenant, parce que le service public, comme la plupart des chaînes, sauf les chaînes câblées comme Disney XD, préfère en fait faire des épisodes, une histoire, un one shot, avec une morale, voilà, un début, une fin, et les gens après ils vont à l'école ou ils passent à autre chose, ils sont contents, ils ont leur petit truc. Ils veulent plus de feuilletonner, ce qui est très dommage, et d'autant plus que là, il y a un gros engouement sur la toile, sur cette série, la preuve que le feuilletonné, c'est ce qui marche vraiment, c'est ce qui a toujours marché au Japon. Vu qu'il passe à 23h, que c'est destiné aux adultes, c'est pas exactement la même chose. Je ils passent dans leur case anime sérieux qu'ils avaient utilisé. Et j'ai envie de te dire, je m'en fous que ça soit pour les adultes ou pas. C'est le style, il y a des baloches derrière, ça se voit. Alors là, on suit c'est le préquel au manga du point de vue de Richard Adala, qui en fait est dans notre monde, parce que le concept de Last Man, c'est qu'il y a plusieurs mondes. Mmh. Et Richard Adala est sur le coup un boxeur apprenti qui va voir son meilleur pote se faire assassiner par une sorte de secte avec des pouvoirs assez bizarres. Et du coup, va être, on va dire, impliqué dans une histoire complètement étrange qui mêle en fait donc mafia, mysticisme, science-fiction. Oui, puis il va devoir protéger une petite fille. Il protège la fille de son ami qui est mort et qui a des pouvoirs télékinésiques. Clairement, on comprend que c'est un côté un peu Fury, quoi, de combat. C'est-à-dire, en gros, il y a des gens qui ont des pouvoirs télékinésiques et il y a les parents autour qui essayent de les protéger, ou X-Men. Enfin, c'est un peu toujours dans ce délire-là, quoi. En fait, on arrive dans un microcosme. C'est-à-dire qu'il y a une petite ville avec plein de gens autour. C'est très manga, façon du rarara. Mais du coup, vous avez quelque chose d'assez perturbant parce que c'est très violent. Il y a des gros mots. C'est une animation qu'on n'a pas vue. Une animation comme ça, même dans l'animation japonaise, c'est pas vraiment ça qu'on retrouve. Voilà, il y a, comme pour le manga, une sorte d'adaptation qu'on est obligé de s'imposer pour pouvoir profiter pleinement de cet animé. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, j'ai pensé que j'étais un peu... Non, mais
Donc je suis d'accord avec tout ce que tu dis, que ça fait plaisir que ce soit un anime français pour adultes, etc. Passer là-dessus, j'ai été un peu surpris par le style, effectivement, le côté un peu très épuré, même si c'est un truc que je retrouve aussi dans pas mal d'animes maintenant, donc je me suis dit, bon, c'est un style assez spécial, etc. Mais il y avait ça, sur certains plans, je pouvais être assez gêné, où je trouvais que c'était trop numérique. Et d'autres plans où là par contre il y a de la fight et il y a des bastons, où j'étais plus dedans. Alors, pour le style épuré, le réalisateur l'explique parce qu'il adore, en fait il disait des références comme ça, il adore par exemple le style de production IG, très adulte, et tu vois par exemple dans Jinro, les traits épurés mais très réalistes. Donc c'est pareil, moi je trouve que ça revient sur le manga où du coup ça lui Oui, bah oui, permet de se c'est. lâcher en termes de design de corps, enfin Oui, voilà, alors je sais que c'est du coup il se extrêmement lâche beau, et plus en en mouvement, mouvement. ouais. Mais moi j'aime bien quand l'animation elle a un peu plus de détails. Et c'est vrai que tu vois le côté t-shirt blanc, jean, tu vois que les mecs sont pas Alors fait là, chier quoi. c'est le manga. Non, mais il y a un côté, tu vois. Mais bon, ça à la limite c'est pas très grave. Tu t'habitues au fur et à mesure. Moi il m'a fallu quand même un peu de temps pour m'habituer à ce style-là. Surtout que selon les scènes, c'est pas forcément exactement pareil. Tu vois, il y a des moments où le personnage bouge beaucoup moins que sur d'autres scènes. Enfin, ça, c'est pas forcément. Parce que comme tu dis, ça, on est entre l'animation française et japonais, c'est-à-dire que c'est pas Je sais pas si on exactement. est entre l'un et l'autre, j'ai l'impression que c'est un peu méta encore. C'est-à-dire que c'est vrai que la gestion de l'animation pas chère, vous la retrouvez là-dedans et c'est ce qui fait le fer de lance de l'animation japonaise, Mais je trouve que justement, il la gère pas de la même c'est pas de manière. la même manière. Et Ouais. c'est pour ça qu'on a besoin vraiment de s'adapter parce que, par exemple, les Japonais jouent énormément sur les mouvements de caméra avec des images fixes. Là, ils vont utiliser des images fixes pour les faire bouger. Enfin, des dessins fixes hein, pour les faire bouger justement dans des plans fixes. Et ça, c'est assez perturbant parce que du coup, vous allez voir un plan sur peut-être Aldala qui montre son point. Donc le point n'est pas animé, c'est juste qu'il arrive Voilà. comme ça dans l'image. Ça fait un côté très à plat, Ouais. 2D qui Oui, alors que les Japonais, eux, ils qui est sont pas très top forts top pour donner là-dessus. de la profondeur à des images fixes qui bougent pas, mais qui sont tellement belles esthétiquement et en travaillant sur la profondeur, les particules et tout, on arrive un peu à. Ça arrive à noyer un peu le poisson et à cacher qu'il y a beaucoup moins de mouvement dans les pilotes, quoi. Mais à Mais côté de bon. ça, je trouve que ça donne une identité comme ce que pouvaient avoir comme identité toutes les œuvres de Tartakovsky, Samurai Jack, Star Wars. Oui. Ça fait que, du 2D dans la 2D. C'est vraiment un aplat, un dessin qui s'adapte d'un manga français qui voulait aussi, pareil, créer une sorte d'impréhension avec le lecteur particulière qu'on n'avait pas ailleurs. Parce que clairement, dans le manga, il y a beaucoup de traits pas finis. C'est vraiment pas la même chose que dans l'animé, mais le ressenti pour ma part, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a toujours ces personnages extrêmement charismatiques qui, alors bien sûr, là, ils sont les traits fermés, ils sont beaucoup plus léchés en termes de dessin. C'est vrai que je préfère limite l'animé au Au manga, manga, mais tu as ce côté pas fini, comme tu le disais, que tu retrouves dans le manga et que j'aime beaucoup, parce que c'est en plus délicat à animer les traits non finis, voilà. Et ce côté pas fini, je l'aime bien parce que du coup, ils y trouvent leur propre patte en termes de design, en termes d'animation. Et moi, il n'y a que 6 épisodes qui sont sortis, et c'est déjà bien d'avoir sorti 6 épisodes comme ça en une soirée. Mais j'y ai vraiment vu la touche Last Man. Tu vois, c'est pas. On a essayé de copier eux, on a essayé de copier eux. Alors, il y a des maladresses. Ça, c'est clair, des limites de budget qui sont extrêmement visibles, mais le fun, tout ce qui se passe par épisode, la Ouais. BO, les Alors moi voix c'est ça aussi. qui m'a aussi un peu je trouvais ça pas mal. J'ai eu du mal à, non mais en fait j'ai eu du mal à comprendre le concept. En fait, on met 3 épisodes à rentrer dans le concept qui est il va devoir s'occuper de cette fille Ah, c'est des et la épisodes de 12 protéger. minutes Voilà. aussi. Non, je sais. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, c'est un peu délirant. Le mec, il par exemple, le deuxième épisode, il rencontre, c'est plutôt drôle d'ailleurs, il rencontre un taré dans une bagnole et t'as la moitié de l'épisode qui est là-dessus, etc. Donc ça, je trouve ça pas mal. Mais du coup, j'ai commencé à apprécier l'histoire à partir du troisième épisode. C'est à partir où d'un coup, ils sont posés et c'est bon, voilà, son copain il est mort, il doit s'occuper de sa fille, elle a des pouvoirs, il y a une secte qui les entoure et c'est compliqué. Et là, d'un coup, on commence à se dire, ok, il va avoir une relation avec cette fille, comment il va essayer de la gérer, etc. C'est intéressant. Avant ça, j'ai trouvé que c'était un prologue, en fait. Et Alors, ça m'a pas... prologue dans le prologue. Ouais, voilà, c'était un prologue et ça m'a paru...
sympathique, mais ça, j'ai déjà vu ça des centaines de fois en fait. Le vrai souci, c'est peut-être le format, parce que le format de 12 épisodes t'oblige à faire quand même un épisode entier, un début, une fin, donc avec un climax, souvent un cliffhanger, beaucoup de punchlines dans la série, et c'est pour ça que t'as l'impression que l'exposition s'étire. Ouais. Plutôt que de faire une exposition en 10 minutes, non, il faut qu'on fasse dans le premier épisode de 12 minutes une histoire. C'est intéressant parce qu'en plus, c'est vrai que ça va très vite et tout, mais c'est vrai que je pense à une autre série en ce moment que je me suis fait justement de Tartakovsky où l'épisode 1, en fait, l'épisode prologue qui raconte toute l'histoire et qui est très indépendant, ils l'ont mis au 16e épisode. Alors, je sais pas si c'est ce qu'ils voulaient ou pas. Mais c'est ce que les Japonais font aussi de temps en temps. Et du coup, en fait, ça permet de balancer le concept au début et de dire bah voilà, ça c'est le concept de l'histoire. Et c'est ça, sur ça que tu vas t'intéresser, c'est sur cette relation avec cette fille, etc. Alors qu'au tout début, bah, en fait, t'es pas du tout là-dedans. Et du coup, moi, ça m'a moins... j'ai vraiment commencé à m'intéresser au bout du troisième. Donc c'est vraiment là-dessus que j'étais... Donc voilà, donc j'attends de voir la suite, en fait. Moi, j'étais vraiment à fond dès les premiers, en fait. Ouais. Et j'ai bien aimé ce côté, justement, on découvre au fur et à mesure, le format oblige. Et en fait, je t'avoue que là, sur le coup, j'ai clairement des œillères. Parce que je vois tous les défauts et je m'en fiche. Parce qu'il y a tellement de qualités qui sont incroyables et que j'avais besoin de voir ça en France. Non pas le fait d'avoir un animé enfant en France, mais le fait d'avoir une œuvre de genre avec des personnages charismatiques, c'est-à-dire charismatiques qui sont vraiment pas que badass, mais qui en ont vraiment en termes de relationnel, qui ont vraiment des punchlines, comme je disais, qui ont un design cool et... Et je pense qu'on avait besoin de ce mélange de genres en plus, parce que là, tu vois, du polar, de la science-fiction, donc c'est plutôt super sympa. Enfin, science-fiction, non, en plus de la... Fantastique. Fantastique, plutôt, ouais, oui, voilà. Moi, je pense clairement que je peux même pas dire ce que j'ai même pas envie de dire ce que j'ai pas aimé. À part l'animation, un peu l'aplat d'animation, qui est où on pourrait s'en passer. Franchement, je trouve qu'il y a tellement de qualité. Le rythme, par exemple. La rythmique de chaque épisode. Le rythme est très bien parce que ça va très vite, tu peux t'enchaîner plusieurs épisodes d'un coup sans problème. Ça, c'est très bien. Non, mais j'ai juste par rapport à tout le phénomène. Non, tu veux casser le délire. Non, je suis désolé. Non, mais non, en plus, non, parce que j'ai. Par rapport à tout le phénomène. Non, ça va. C'est... On a beaucoup parlé. Oui. Mais... Et au final, je regarde et je dis ah ouais, bah en fait, c'est un Shonen Seinen version française. Et je te dis, j'ai mis du temps à trouver le... Voilà. En fait, je ne trouve pas une inventivité de ouf, en fait. D'accord. Je suis désolé. Et en fait, je vais continuer à regarder parce que au bout du troisième épisode, finalement, d'un coup, la relation avec la fille m'intéresse, avec lui et la fille. Et je me dis, ah tiens, d'un coup, ça m'intéresse parce que ça lui donne un peu d'épaisseur aussi. Parce qu'honnêtement, je ne trouvais pas qu'il avait des grosses épaisseurs. Sinon, pour moi, c'était juste un gros bras qui se tapait contre des mecs. Après, tu as quand même les flashbacks de comment... C'est pour ça, peut-être que si, ils ont sorti 6 épisodes. Je ne sais pas pourquoi ils ont sorti 6 épisodes d'un coup. Je trouve ça assez étonnant, mais c'est vrai que ça se tient très bien. Ces 6 épisodes te balancent toute l'exposition, pourquoi Aldala il en est là, la scène où il a une confrontation avec un grand boxeur immense, enfin, c'est pourquoi ils sont énervés l'un contre l'autre, c'est extrêmement marrant. Voilà, et ça aussi, il y a beaucoup d'humour. Et j'y retrouve en fait tous nos héros des années 80 sans avoir pour autant les références années 80. Et ça, c'est plutôt agréable parce que tu vois qu'il n'y a pas d'originalité, mais dès qu'on met du genre maintenant, il y a toujours tiens on a piqué ici, on a piqué là, on a piqué là, sauf que là c'est vraiment du genre. Si c'est un peu ça aussi quoi. Bah non, pas du tout. Si, moi j'ai vu que des références tout le temps. Ah non, au contraire, pas moi. Pas des références du genre, c'est exactement ça, mais chaque configuration, histoire et tout, tu l'as vu à peu près dans notre truc quoi. Oui, bien sûr, ça c'est vrai. Mais les personnages en soi, c'est des personnages en fait, je vois pas qu'est-ce qu'il a de... Non mais c'est vrai, parce que j'ai en train de défoncer le truc, alors j'ai trouvé ça sympa, mais passer le côté ouais c'est un truc pour adultes avec un côté anime pour les adultes fait en France et tout, c'est trop cool. Je trouve pas qu'il ait une spécificité française non plus, et je trouve qu'il a un peu le cul entre deux chaises, et je trouve qu'il y a eu meilleur qui a été fait en anime si tu veux trouver ce genre de truc ailleurs. J'ai pas senti de de puissance. J'ai commencé vraiment avec le troisième parce qu'il y a une relation. Effectivement, le côté fun comme ça, dans les Américains ou les Japonais, ils en ont fait des mecs fun qui sont imbriqués dans des on va dire des histoires complètement loufoques où t'as plein de personnages complètement hétéroclites. Ok, t'en as plein. T'as du Cowboy Bebop, t'as du Trigun, t'as du Steven Turner. Ok, t'en as plein. Mais là, je trouve qu'au contraire, t'as une patte française, ne serait-ce que dans les dialogues.
dans la relation entre les personnages, tu vois. T'as pas la bienséance japonaise que tu retrouves d'ordinaire. Oui. Là, c'est autre chose. C'est hey, ça va, mon pote, tu vois, c'est des trucs plutôt fun. C'est assez intéressant. Et puis, il joue sur plein de codes. Genre, l'italien, tu te dis, voilà, oh il va partir dans le cliché, tu sais, le mafieux italien. Il parle dans le cliché, mais ça marche parce que c'est imbriqué dans des trucs comme ça, dans plein de clichés qui t'exposent à la tronche, mais pourtant, qui se tient et qui se tiennent, en fait. Moi, ça m'a... Je suis désolé, hein, Non, mais je trouvais ça sympa. Mais tu vois, par exemple, le personnage principal, il est sympa, mais c'était juste un gros blanc avec un t-shirt blanc. Alors... Et tu vois, je veux bien qu'on me fasse... parce que c'est cool, parce qu'on a déjà vu des films comme ça, et que Stallone, tout ça, j'ai les mêmes références. Mais juste, vu que j'ai vu mieux avant, ben, je suis là en train de dire, ouais, c'est sympa. Mais je peux pas te dire, c'est génial. Peut-être que la relation, elle va vraiment me toucher, et je vais continuer à travers ça. Donc, il y a quand même un truc qui me tient. Mais... J'avais même pas compris c'est quoi le concept du alors, truc. Alors, on s'était vraiment pas concerté avant et j'avoue qu'il me décontenance pas mal parce que je pensais vraiment qu'on allait faire un bac à ce mini fanboy à donf. Je suis désolé parce qu'en plus j'aimerais bien dire du bien de ça. En plus, voilà, tu sais jamais. Moi, en tout cas, on va les rencontrer et en fait, en même temps, je trouve ça vachement bien. Ça me met la hype, mec. Mais t'imagines pas. Mais je comprends en fait la hype qu'il y a autour. C'est juste que je l'ai pas ressenti. Après, je te dis, si dans. 6-7 épisodes encore et tout, ça se trouve, je vais trouver des histoires encore mieux, etc. Mais pour l'instant, je suis pas plus, quoi. Alors, dans la suite, on a vu quelques images d'après l'interview du réalisateur. Il y aura un tournoi qui va se faire, donc ça va rejoindre clairement le concept du manga. Shonen, quoi. Ouais, du shonen. Et c'est plutôt cool. Bah, j'aime bien, on aime tous les tournois, généralement c'est toujours fun, surtout quand c'est du feuilletonné. Donc on verra où ça part, mais Last Man part d'un postulat très simple et vraiment se complexifie avec le temps, dans le manga, hein, j'entends. Et je pense clairement que l'anime a déjà mis la barre haute en termes de complexité dès les premiers épisodes et va vraiment pouvoir s'éclater. C'est sûr qu'on n'a jamais vu ça pour l'instant d'animation ailleurs en France. Mais même si tu oublies le concept de l'animation en France, déjà du genre, déjà un genre ultra stylisé. Voilà, en c'est... genre, je... Oui, en genre, il n'y a pas grand-chose. Je te parle hors période Audiard, Verneuil et compagnie. Hein. Ah, je ne parle carrément pas d'animation. Ah non, parce que... Non, je te parle de tout. Je te parle vraiment de tout. En genre, depuis là, 20 ans, qu'est-ce qu'on a eu qui est aussi symbolique, aussi impressionnant. Non, après, le problème, moi, je pense que ça aurait été super bien d'avoir une série qui se passe en France, etc. Ben oui, c'est peut-être ça aussi. Bon, après, tu as eu tout ce qui est Renaissance et tout, et le côté patriotique, ils étaient là. Mais... Enfin, je sais pas, ça me dérange pas plus que ça. C'est pas grave. Oui, je trouve toujours qu'on a une particularité en France qui est intéressante et que essayer de faire du manga avec du mix américain sans même utiliser ne serait-ce qu'un peu de culture française et tout, c'est dommage parce qu'on a tellement de potentiel en France, notamment dans l'animation. Et c'est pas vrai, l'animation elle se porte très bien, il y a des super séries qui peuvent exister, des choses intéressantes, en tout cas des mecs qui ont la volonté de faire autre chose. Alors oui, mais la volonté, ça c'est... Alors, sachons qu'il n'y a pas que les créateurs de Last Man qui ont cette volonté de faire quelque chose de différent. Par contre, je reviens dessus, les chaînes de télé brident tous les créatifs. Oui, parce qu'ils préfèrent... Parce que si tu veux avoir des aides, il faut quand même... La plupart des aides, c'est des aides liées à l'animation pour enfants, etc. Donc c'est très compliqué d'essayer de faire quelque chose pour adultes. Il faut que ça se passe à l'école, il faut que ça soit humoristique, avec des personnages marrants, que ça se finisse en épisode. D'où le Kickstarter qui, forcément, parce que ils peuvent pas avoir les mêmes financements du moment que c'est violent, qu'il y a des gros mots, qu'il y a des choses comme ça. Après, Kickstarter, dans le cadre de Last Man, on sait bien que c'est pas ça qui a financé Last Man, mais peut-être qu'il a montré au producteur justement tout l'engouement. Puis il a montré à France 4, l'intérêt que... Bien sûr. Ça se trouve, c'est même Français qu'ils ont découvert comme ça. Non, il y a clairement une envie, etc. Et j'espère qu'il va en avoir plein d'autres, des projets, des choses comme ça par la suite. Mais... On avait compris qu'il y avait du mais. On pouvait finir comme ça sur une belle note. Ça, c'est vrai, c'est sympa. Tu trouves pas que c'est aussi original? Moi, je trouve que c'est très, très original. Ouais, voilà. Je trouve ça vraiment original. Franchement, oui. Oui, je trouve parce qu'il y a plein de petites choses qui font que c'est original. D'un point de vue technique, d'un point de vue des designs, d'un point de vue de l'histoire. Après, oui, les personnages, tu les as retrouvés ici, là. Le background, c'est vrai, tu l'as dans les films américains, tu l'as dans plein d'animés japonais. C'est une sorte de fourre-tout, de plein de cultures, mais qu'est-ce qui en ressort? C'est une ligne scénaristique qui est extrêmement
bien codifiée certes, mais bien claire. Elle nous prend au trip. Moi, à fin d'épisode, j'avais envie de regarder la suite. Là, j'attends mardi prochain. Expressément parce que je veux vraiment voir la suite. D'ailleurs, j'espère que tu me montreras avant mardi prochain, du coup. parce que du coup, je peux plus monter les bagages, j'ai mon PC qui a planté. Voilà. Moi, je pense que vraiment, cette série, elle sort son épingle du jeu et même de l'animation japonaise actuelle, tu vois. Ah ouais. Ah ouais, non, mais clairement, ça n'a pas la qualité technique, les dessins, les backgrounds, tout ça. C'est pas la technique. C'est pas ça que tu compares aux animés. Oui, tu t'y habitues parce que je trouve qu'ils trouvent leur style. Mais moi, je suis pareil, enfin, j'ai pas vraiment regardé One Punch Man non plus, mais j'ai l'impression d'une épuration et d'un truc. Non, One Punch Man, ça a rien, mais alors rien à voir, parce que One Punch Man, c'est une sorte de pied de nez au shonen. D'accord. Lui-même. Donc, c'est plus ironique, quoi. Du coup. C'est les deux. C'est-à-dire que ça montre aux gens que le shonen peut être brisé tout en étant captivant, en fait. Mais c'est encore autre chose, One Punch Man. L'univers de One, même Mob Psycho. Est extrêmement dingue en termes de shonen revisité, donc ça, il faudrait d'ailleurs qu'on revienne là-dessus, que tu te les fasses aussi. Le coffret de One Punch Man est sorti récemment et il est magnifique, absolument. C'est ton coffret, c'est ton cadeau de Noël qu'il faut que tu vends à ta famille. Avec la voix de monsieur le rappeur. Bon, non, mais quoi, je le sais pas. Oui, non, bien sûr. C'est très bien. On sait pas. Hein, on sait pas. Non, 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 mais j'ai pas vu, c'est pas grave. En tout cas, regardez Last Man soit en replay, ou soit si vous l'avez déjà vu, revoyez-le en replay. Du coup, guettez bien sur France 4. Tain, c'est la première fois que je dis guettez bien, oui, la télévision. France 4, c'est incroyable. Vers 23h, je pense, assez tard. Et puis elle, donc, il y a les comics, enfin, les mangas. Les mangas, c'est lapsus. Non, mais je... Est-ce qu'on peut dire maintenant manga? Je pense que c'est ça, ils l'utilisent. Oui, c'est manga français. Depuis, je sais pas s'il est édité par qui, mais. Mais tu sais, comme les Coréens, ils ont les manhwas, les Japonais, manga. Est-ce qu'on reprend un terme japonais pour bah, bande dessinée, je sais pas. Je sais pas trop. Effectivement, c'est style. C'est ou est-ce qu'on peut pas même parler plutôt de format? Parce que tu vois, on a beau dire, mais Scott Pilgrim, on a tendance à dire que c'est un manga. Oui, mais c'est pareil. Hein. Ouais, donc ouais. N'hésitez pas à nous répondre là-dessus, sur la toile, vous en avez beaucoup parlé, donc allez-y. Bah, à bientôt. Allez, salut à tous les amis, bye bye.